statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en première ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, renvoie Souleymane Traoré des fins de la poursuite pour faire des détournements de deniers publics et de surfacturation non établie. Le déclare par contre coupable des faits de corruption d'agents publics, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. Pour la répression, le condamne à 18 mois d'emprisonnement, dont 11 mois assortis de sursis et 1 milliard de francs guinéens d'amende. Dites et juges que le montant de cette amende sera prélevé sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque centrale de la République de Guinée à titre de caution. Ordonne la confiscation au profit de l'État guinéen des montants versés dans les comptes bancaires ci-après au titre de la période allant de 2014 à 2021 à savoir. Le compte numéro 730-80-29-195 en Guinée franc, soit 6,698,014,826 francs guinéens au titre des versements dus du 1er novembre 2019 au 6 mai 2021 ouvert dans les livres de Coba Guinée SA. Le compte numéro 730-80-30-555 en dollars US, soit 277,589,2 dollars US au titre des versements de la période allant du 11 novembre 2019 au 20 mai 2021, ouvert dans les livres de l'Ecobank Guinée SA. Le compte numéro 00 40 00 30 81/32 53 01 18, soit 71 730 euros, solde du 24 janvier 2020, ouvert par Souleymane Traoré au nom de Fanta Traoré dans les livres de la Banque Islamique. Tous objets de l'ordonnance de saisie conservatoire de compte bancaire de 002 CI CRIEF 2022 du 10 février 2022, la chambre de l'instruction de la CRIEF. Sur l'action civile, reçoit la constitution de parti civil de l'État guinéen, représentée par l'agent judiciaire d'État. Condamne Souleymane Traoré à payer en faveur de l'État guinéen la somme de 1 milliard de francs guinéens à titre de réparation, toute cause de préjudice confondue. Dites et juge que le dit montant sera prélevé que sur celui de 2 milliards de francs guinéens consignés à la Banque centrale de la République de Guinée à titre de caution. Ordonne la main levée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ci-dessus. Objet de l'ordonnance des saisies conservatoires des comptes bancaires numéro 002/CI/CRIEF du 10 février 2022. De la chambre de l'instruction de la Cour de ce siège. À savoir, le compte numéro 09-942-10-3825 en dollars US et en Guinée franc, ouvert dans les livres de la BCI SA actuelle Vistagui au nom de Souleymane Traoré. Le compte numéro 004-4030-81-225-30-127 en Guinée franc, ouvert par Souleymane Traoré dans les livres de la Banque islamique de Guinée SA au nom de Mamadi Prince Traoré. Le compte numéro 73-08-01-78-04 en Guinée franc, ouvert par Souleymane Traoré dans les livres de Coban Guinée SA à son propre nom. Donc, la Cour toujours dépoute l'État guinéen du surplus de ses prétentions comme non fondées, ordonne le versement provisoire de tout le montant des dommages et intérêts à lui, condamne Souleymane Traoré aux frais et dépens envers l'État,
ordonne la publication du présent jugement dans le journal officiel de la République à la charte de Souleymane Traoré. Le tout par l'application des dispositions des articles 25, 64 et suivants, 66, 94, 117, 135, 499, 764, 765, 771, 776 du Code pénal, 58 de la loi L 2017-041-AN du 4 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, 7, 112.1, 113 de la loi L 2021-024-AN du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment du capital et le financement du terrorisme, 247 et suivant, 497, 500, 535, 544, 1140 du code de procédure pénale, 1122 et suivant du code civil. Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de ce siège des jours, mois et ans suspects. Monsieur Souleymane Traoré, telle est la décision, et vous avez suivi déjà sa formulation, et vous savez que il vous est donné le droit d'interjeter appel. Vous avez le délai de 15 jours pour pouvoir faire l'appel si vous êtes d'accord. Et ça, c'est toutes les parties, c'est pas la même chose. Et vous avez entendu aussi la question de sursis qui est traitée par l'article 135 hein, du Code pénal. La juridiction qui prononce une peine peut dans les conditions. Bon, le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, hein, avertit le condamné lorsqu'il est présent les conséquences d'une condamnation hein, pour une nouvelle infraction qui serait commis dans les délais prévus. Et vous savez, relativement au sursis, les conséquences attachées à cela. Vous en êtes averti, il n'est censé y avoir la loi. Les délais vous sont prévus ici. Oui. Monsieur le Président, je vous remercie ainsi que à tous vos associés. Non, vous avez le micro là-bas. Je disais que je remercie la Cour, vous-même, Monsieur le Président, la vos honorables conseillers, pour tout le respect et toute la politesse pendant ces mois d'audience, ainsi que les avocats de l'État. Je prends note pour la suite de avec les avocats. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Quelle sorte de droit ?